Bon, bonjour tout le monde, c'est la dernière rotation. Donc, je vous invite à visiter le site, explorer les ressources et quand vous êtes prête, vous retournez pour avoir une petite discussion. So, hi everyone, just instructions are visit the site, explore the resources and let me know or just when you're ready to have a discussion, please come back and turn your mics on. Enjoy. Je vous invite à soit l'indiquer dans le clavardage ou soit juste non, allumer votre micro quand vous êtes prête à avoir une discussion autour du site. So whenever you're ready, just enter it in the chat or just turn on your mic and start a discussion around the site. C'est-tu la première fois que tu as exploré ce site? Le site, oui. Puis je suis vraiment impressionnée par la quantité puis la qualité de ce que les étudiants partagent. C'est vraiment intéressant. D'autres observations. Au début, j'avais même oublié que c'était comme des choses qui étaient partagées par les élèves, là. Je pensais que c'était vraiment plus des choses qui était partagé par la prof. Puis là, ben, en relisant, je me suis rendu compte que c'était vraiment intéressant parce que c'était ce que les élèves partageaient puis écrivaient, là. C'est bien fait. C'est ça, c'est vraiment la voix de l'élève. C'est la première fois que j'ai vu le site et c'est vrai, comme tu as dit tantôt, like it's really, there's a lot of student voice up on there. It's not just, you know, a link to a website or whatnot. Il y a comme des photos, les choses qu'il a écrites, les sites de web, testimonials. So c'est cool, c'est comme tout le travail des étudiants, c'est vraiment monté en ligne. They feel like they're probably building towards something. Et j'étais déjà sa classe l'année passée. Et vraiment, comme Tracy a dit à le commencement de la webinaire, je pense que ça doit être une classe obligatoire. Oh, I can't say that. Obligatory. Parce que vraiment, comme les conversations qu'on a avec les étudiants cette journée-là, quand j'ai visité, like, it was just, she put something out and then there was viewpoints from toutes les points de vue, des discussions. C'était vraiment, vraiment cool. So it's nice to see the website, which is, you know, that all assembled. So that's my Moi, intervention. je vais pas prendre la parole, mais c'est ça, je suis vraiment d'accord avec le fait que ça soit obligatoire. C'est une façon que les élèves puissent s'exprimer et avoir la pratique de avoir différentes opinions et que c'est valorisé. Même que ce soit différentes opinions. So I think it's really, really it's cool. It's cool exercise. So, juste une autre chose, j'ai ajouté dans la chat en anglais, c'est comme une façon d'explorer la citoyenneté numérique sans devoir être des règles. C'est vraiment une discussion. They really live it. So, ça, c'est la chose que, when I went there, I was like, wow, this is a different type of course. It's amazing. Right? Anyone else? I think okay, I'm not sure how she gave access to the site. It must have been, she must have given them access in order to do that because when you click on it, you don't ha like not all the like I'm not able to see all the student sites. So it must be like a closed group. Très intéressant. Oksana, je suis d'accord avec toi. 15 minutes, c'est très peu de temps pour pouvoir explorer tout le contenu. C'est juste un petit aperçu de qu'est-ce qui est possible et même de ce que de ce qu'on la façon qu'on peut développer des compétences via les médias sociaux. Donc, tu pourras explorer. Quand tu auras plus de temps, je suis d'accord avec toi, c'est très peu de temps pour explorer tout le contenu. Vous êtes donc bien tranquille.
Vous êtes timide, mais on est même dans un petit groupe. Vous pouvez comme ne pas afficher votre image, mais juste partager entre vous. Ouais, Aksana, oui, c'est ça, effectivement, il y a une forte développement des compétences de citoyenneté numérique. Je trouve que oui, l'élève a une voix, peut s'exprimer de façon éthique, respectueuse. Yeah, and même le digital footprint, ouais, je suis d'accord avec Tracy quand elle dit, s'ils n'apprennent pas ça à l'école, où est-ce qu'ils vont apprendre ça? Donc, c'est une très belle initiative.